Salut toi. Salut toi. Allez, on est parti sur le jeu. Hop. Hop. Bim bam boum. Hop là. Alors, on va commencer l'épisode 6. Et pourquoi j'ai pas le son? Directement à Nunavut Bay, au Canada. Pourquoi j'ai pas le son? Pas le retour son. Ça commence les problèmes. Pitié pour lui. Après tout, ils étaient tous comme ça. Du coup, on a rien compris. Oh là là. Mais non. Je sais pas si vous m'entendez là. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez là? 1, 2, 1, 2. Ouais, on m'entend bien. J'arrive pas à rechoper mon. Ah, j'ai toujours rien. Moi, ça m'énerve. Let's dance. Je mets comme ça. Comment ça se fait qu'il me capture le... Je vais supprimer pour... Supprimer. Un dispositif de capture. Ajouter une source. LGX. Ajouter. Là, ça me fait pareil. Le stream est tout cassé. Et si je mets comme ça, comme ça. Couper le son de la sortie.
Ouais, je comprends pas. Et si je mets l'autre casque, ça fait quoi? À chaque fois que je mets le casque Bluetooth, que ça fout la merde. Connected. Oh, ça change rien. Pourquoi il me prend le son de la du micro pour le LGX? Alors là. On va y arriver, hein. Bah écoute, quels sont les préférés que vous souhaitez dépanner? Se trouve à l'arrière, entrée ligne Realtek. Hop, brancher le microphone casque, ça c'est fait. Bon, casque est débranché. Ah non. Ah non. Oh là là, ça me saoule. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais couché un truc normalement là. Périphérique audio. Périphérique audio. Il tech. Capturer uniquement l'audio. Si je le mets en wave out, là je l'ai. C'est bizarre. Et quand je vais dans mes paramètres audio,
Surveillance désactivée. Ah bah voilà, j'ai trouvé. Surveillance uniquement, couper le son à la sortie. Mais je l'ai déjà mis tout à l'heure, mais bon. Ok, bon. On va faire comme ça. On va jouer un petit peu. Putain, j'ai mis 10 minutes à régler ce petit problème. Alors, bison. Du coup, est-ce que je peux revoir la cinématique ? Sauvegarder et quitter. Boum, boum. Ah, j'ai pas. Revenir au menu épisode. Puis quitter. Et on reprend l'épisode 6. Voilà. Non, je peux plus avoir la bonne annonce. Ok. Je crois savoir où trouver les morceaux de Clockwork. Traverse la ville, puis va vers la contrée sauvage. Pique. Cette cabine a peu hey, salut Thibaut. Comment ça va? Il s'agit du centre névralgique de l'Empire de Jean Bison. Pénètre à l'intérieur. Et vole ces dossiers. Ils doivent indiquer où sont les morceaux de Clockwork. Fouiller ces dossiers, ça je peux le faire. Mais escalader un mur abrupt, c'est pas pareil. T'as de la chance. Avant l'arrivée de Jean Bison, c'était un endroit très apprécié des amateurs d'escalade. Il y a encore des pitons sur la paroi. Je saute et j'appuie sur la touche cercle pour m'accrocher, c'est ça? C'est ça. N'oublie pas de te pencher en arrière avant de sauter du piton. Tu iras beaucoup plus haut. Merci pour le tuyau. Je vais essayer. Ça va, quoi de neuf depuis le temps? Bah rien, je crois que t'étais passé sur le dernier stream là. On n'a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup joué depuis 2 ou 3 jours là. Hop là. Là on fait le chapitre 6. Qu'est-ce que c'est ça, une taupe? Et toi, qu'est-ce que tu racontes de beau? T'as joué à des jeux sympas? C'est Jean Bison. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas vu. Reste bien caché et prends une photo de chaque itinéraire. On trouvera beaucoup plus facilement les morceaux de Clockwork. Ok, je m'y colle. Allô, c'est Arpeggio. Bien le bonjour, monsieur Arpeggio. On peut discuter 2 minutes? Bien sûr, mon cher, sans problème. Mais sommes-nous obligés de parler à travers cet affreux amplifone? Ouais, je pense mieux quand mes jambes bougent. Ça fait circuler le sang. Oui, c'est cela, oui. C'est important, le sang, vraiment. Mais vas-y, qu'as-tu de si urgent à me dire? Primo, tu viens bien toujours récupérer la batterie boréale comme prévu? Oui, et on est en route. Mon
dirigeable sera là à la fin de la semaine. Très bien. Dozio, quand vas-tu finir par me montrer le cerveau de Clockwork? Pour sûr, j'aimerais bien l'acheter. Bisous, rapace de première. Tu n'es donc pas encore assez bien loti, et tu voudrais me prendre mon piètre coup d'oiseau robotique qui m'apporte tant de bonheur en ce bas monde? Doudou, l'ami, monte pas sur tes grands ours. C'est juste que mes morceaux de clockwork à moi me sont très utiles. En fait, je les ai placés sur mes trois meilleurs trains. Ces machins-là sont super efficaces et mes trains peuvent rouler jour et nuit. Je les ai appelés chevaux ferrés. Les chevaux ferrés. Garde ça secret. J'ai planqué les plans dans ma tête de bar. Eh bien, je vois que tu ne perds pas ton temps, mon cher bûcheron. Mais le cerveau, lui, reste avec moi. Je vais le ferrer numéro 3. Au fait, t'es au point avec ton super show Épices et Lumières de Paris. Et les autres La longueur d'onde de l'hypnotiseur du dirigeable est conforme aux données de la comtesse. Et Dimitri, avant son arrestation artistique, a réussi à distribuer des quantités incroyables d'épices. On dirait qu'il ne te manque plus que de l'énergie boréale, en fait. Tout à fait exact. Tu possèdes la pièce manquante du puzzle. Quand la batterie sera à bord, plus rien n'arrêtera le génial camp de Clau, et Paris sera nôtre. Ouais, ouais, ok, ok. Bon, ben on se voit à la fin de la semaine. Bien, au revoir, Bison. Porte-toi bien. Ciao. Radio spécial, j'ai un peu lâché Uncharted 2, je me suis mis à Hitman 3. Ah, je connais pas du tout Hitman. Je suis juste venu te dire bonjour car là, je dois aller au taf. Ah, d'accord. Un voleur ? Ça marche. Bah écoute, c'est sympa d'être passé faire un petit coucou. C'est dommage que t'as lâché Uncharted 2, franchement. Il est cool. Monsieur Arpeggio. On peut discuter deux minutes ? Moi j'aime beaucoup en tout cas. Hein ? Un voleur ? Moi j'aime beaucoup. Ah, écoute, bon courage à toi. Allô, c'est Arpeggio. Bien le bonjour, monsieur Arpeggio. On peut discuter deux minutes ? Bien sûr, mon cher, sans problème. Mais sommes-nous obligés de parler à travers cet affreux amplifone ? Ouais, je pense mieux quand mes jambes bougent. Ça fait circuler le sang. Oui, c'est cela, oui. C'est important, le sang, vraiment. Mais vas-y, qu'as-tu de si urgent à me dire ? Primo, tu viens bien toujours récupérer la batterie boréale comme prévu. Oui, et on... Objet caché, orienté ailleurs. Tu finir par me montrer le cerveau de Clockwork. Pour sûr, j'aimerais bien Bisous, rapace de première. Tu n'es donc pas encore assez bien loti, et tu voudrais me prendre mon piètre coup d'oiseau robotique qui m'apporte tant de bonheur en ce bas monde. Doudou, l'ami. Je reprendrai un jour, t'inquiète. Ouais, j'espère bien. J'espère bien. Franchement, il vaut le coup. Il vaut le coup. La saga des Uncharted, elles sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool. Super efficaces et mes trains peuvent rouler jour et nuit. Je les ai appelés chevaux ferrés. Bien sûr, je garde ça secret. J'ai planqué les plans dans ma tête de bar. Eh bien, je vois que tu ne perds pas ton temps, mon cher bûcheron. Mais le cerveau, lui, reste avec moi sur le dirigeable. Maintenant, je ne suis pas contre te le montrer quand je passerai prendre la batterie boréale. Ça me va. Au fait... T'es au point avec ton super show Épices et Lumières de Paris ? Oui, la longueur d'onde de l'hypnotiseur du dirigeable est conforme aux données de la comtesse. Et Dimitri, avant son arrestation artistique, a réussi à distribuer des quantités incroyables d'épices. On dirait qu'il ne te manque plus que de l'énergie boréale, en fait. Tout à fait exact. Tu possèdes la pièce manquante du puzzle. Quand la batterie sera à bord, plus... Hein ? Ah merde, je me suis fait griller encore. Allô, c'est Arpeggio. Bien le bonjour, monsieur Arpeggio. On peut discuter deux minutes ? Bien sûr, mon cher, sans problème. Mais sommes-nous obligés de parler à travers cet affreux amplifone ? Ouais, je pense mieux quand mes jambes bougent. Ça fait circuler le sang. Oui, c'est cela, oui.
Je vois pas de où on peut. On peut le choper. Allô, c'est Arpeggio. Bien le bonjour, monsieur Arpeggio. On peut discuter deux minutes? Bien sûr, mon cher, sans problème. Mais sommes-nous obligés de parler à travers cet affreux amplifone? Ouais, je pense mieux quand mes jambes bougent. Là, ça doit être bon, là. Ça fait circuler le sang. Voilà. Oui, c'est cela, oui. Là, on est bon. Toujours récupérer la batterie boréale comme prévu. Oui, et on est en route. Il faut tout refaire à chaque fois. Voilà, à la fin de la semaine. Ok. Très bien. Dozio, quand vas-tu finir par me montrer le cerveau de Clockwork? Pour sûr, j'aimerais bien l'acheter. Bison, rapace de brume. Sly, t'as entendu? Bison a caché les plans des chevaux ferrés dans sa tête de bar. Dirige-toi vers le poisson au-dessus de la cheminée et va les voler. Schéma des chevaux ferrés. Excellent! Maintenant, sors de la cabine avant qu'on te repère. Doudou, l'ami. Monte pas sur tes grands ours. C'est juste que mes morceaux de clockwork à moi... Voilà. On va pouvoir les kidnapper. Après analyse de la décoration de Bison, je pense que tu devrais trouver l'autre tête de barre au-dessus de la cheminée des deux autres cabines. D'accord. Il est résistant celui-là. La vache. J'ai mis au moins 5 coups. Ah, je présume que il y a des gardes dans chaque tête de barre. Oui, c'est ce que je pensais. Les plans sont cachés dans le poisson qui est au-dessus de la cheminée. Ah, sauf que là on peut y aller franco. Là. Enfin, pas trop franco non plus. Aïe. Elle a plus de vie. Ils font mal, hein. Un peu de vie. Voilà, on va être tranquille. Là, il y a le code. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On a tout tué. Et on a tout pété. Et on va rush. Et le dernier, il est là-bas. Ok. Oh, pop, 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 pop. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là en vrai. J'avais pas vu. Je peux monter sur ça ou pas? Nope.
Ah oui, c'est vrai. Alors comment on fait pour monter là-bas? Alors à mon avis, ouais, si on peut passer par là, je pense. Il y a moyen. Il y a plein de pièges à loups. Pièges à loups. Ça fait pas si mal que ça, en vrai. Ah. Ça, ça va piquer, ça. Ouais, là ça va être ça va être Tandax. C'est remarquable, Sly. Tu as pris le dernier plan. Je pense que je pourrais pas. On va pas trop faire le malin là. Nous devrions pouvoir repérer les trains chevaux ferrés sur la parabole satellitaire. Le sommet de la montagne, ça devrait être rapide. Bah let's go. Choper quelques piécettes. C'est par là? Non, c'est par là. Essaye de repérer les pitons qui sont sur les murs. Ils pourraient t'aider. Ils pourraient t'aider. Ah merde, je suis en pleine mission, non? Eh ouais. Ah. Je vais pas pouvoir le récupérer. C'est super! Nous pouvons accéder totalement au système GPS du train. Tout est sur mon ordinateur. Reviens au refuge. Je vais faire une analyse et je vous brieferai sur la situation. Pam 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 pam. Grâce au travail de Sly, nous savons maintenant où nous pouvons trouver les trois morceaux de Clockwork. Deux poumons et un estomac. Deux poumons et un estomac. On les a greffés sur la locomotive de ces trois chevaux ferrés. Cela lui permet de les faire rouler jour et nuit sans discontinuer. Nous serons donc obligés de monter à bord du train en marche. Et il n'y a qu'une seule issue. C'est la trappe au-dessus du dernier wagon, qui bien sûr a été fermée à clé. Bah ouais. Et qu'il faut ouvrir. Non, c'est pas drôle. Là, Sly récupérera le gaz des pistes des ballons qui surplombent la ville, puis atterrira sur le wagon pour faire sauter les verrous. Quand la voie sera dégagée et que le cheval ferré 1 passera en ville, je m'habillerai et sauterai dedans. Si tout va bien, nous aurons le premier poumon de Clockwork d'ici peu. D'ici peu. Ce qui est dommage, c'est qu'on voit pas les missions de l'extérieur. On voit pas quel personnage il faut prendre. Ah, il y a un trésor lui.
Viens là, toi. Oh, une pierre précieuse moyenne. C'est bon, ça. Il a un trésor aussi, lui. Chaque serre a un trésor ou quoi? Oh, ils ont des grosses pierres précieuses ici. Je pense qu'on va les... On va les voler souvent, là. Alors, les stalactites. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Ah, ça va... Ah, oui, forcément, je tombe. Oh, il y a un petit avion. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit collier. Ah, ils ont mis un accès rapide. Ah, ça y est, j'ai trouvé le truc. Ça passe, ça passe, ça passe. Voilà. Les petits ballons. Pour monter et prendre le gaz des pistes. Eh ben voilà, Murray, regarde. Il s'est déjà emparé de cet avion de glace. Saute dessus et il te montrera à une altitude suffisante pour une bonne paralysade. Ah, et puis prends un sac à spiro avec toi. Il absorbera automatiquement le gaz des pistes des ballons explosés. Ça me plaît. Ah, je sais pas s'il faut l'acheter. Il devra atterrir directement sur le wagon du train. Et pourquoi directement? Le gaz des pistes dénaturé est très instable à basse altitude. Tu dois atterrir sur le wagon et faire sauter le verrou avant que le réservoir de gaz n'explose. Donc, en gros, soit j'atterris sur le wagon, soit ça pète. C'est un peu ça. La chimie peut parfois être vraiment cruelle. Ah ouais, sur la roue, comme ça. Ah oui, d'accord, j'ai un petit capteur. Ok, encore un, je pense, et puis ça devrait le faire. Ça a marché. Ouais, ok. T'as rempli le réservoir gaz. Atterris sur le wagon. Moi, je pense que là, ça peut être bien. Bim! Du premier coup. Retourne sur l'avion. Il y a encore deux wagons à ouvrir. Et il est où l'avion? D'accord.
Je sais pas si de côté ça marche. Ouais, si ça passe. Le réservoir gaz est plein. Trouve le wagon et tente l'atterrissage. Je pense que là on est pas mal. Oh, il fait flinguer lui. Hop là. Ouais, ça va, ça se manie bien le paraglisseur. Hein. Remonte sur l'avion de Moret. Continuez comme ça. Il ne reste plus qu'un wagon. Pam 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 pam. On va essayer. Alors, on va faire celui-là. Et le dernier. Va sur le dernier wagon. Ah. J'espère qu'il va pas passer en dessous. Ah ouais. Ah, je dois tout recommencer. Oh non. Il m'en faut encore un. On va essayer de le faire avant le pont. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Le dernier. Pam 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 pam. C'est tout bon? Ah maintenant c'est Bentley. Est-ce que je peux... Ah maintenant il me reste encore une mission là-bas. J'aurais bien été chercher le petit truc à vendre là. Il est où? Il est tout en haut. Ah, il est en haut là-bas je crois. On va voler quelques trucs quand même. Ah merde. Quel con. Quel con. D'elle. Mais je ne sais pas où elle a enfermé Moret.
Je manque de données. C'est horrible. Calme-toi, Carmelita n'est pas aussi cruelle que la comtesse. Je vais la suivre discrètement. Elle finira bien par aller voir Murray tôt ou tard. Ok, c'est... c'est un bon plan. Mais ne te fais pas prendre. Je ne veux pas être tout seul encore. Plus un geste. Sans te faire repérer. Je pensais qu'on pouvait lui voler une petite cartouche quand même. Oh bien, elle me donne des trucs en plus. C'est pas mignon ça? Avec son petit chapeau. Je crois qu'elle est toujours recherchée par Interpol, non? Ou elle a été réhabilitée avec la comtesse, je sais plus. On l'a déglingué. Moi je récupère les pièces hein. M'en veux pas. C'est là, je vais pas pouvoir les récupérer. C'est pas de la filtration à la Batman, mais bon. Va se le faire elle, non? Petite pièce gratos. Bah lui aussi il est mort. One shot. Ah le voilà Murray. Que j'aurai coffré tous tes amis, on s'en ira d'ici. Merci bien pour les haricots et tout, mais il me semblait que vous étiez recherché par Interpol. Je suis un flic honnête. En arrêtant le gang de Cooper, je blanchirai mon nom et prouverai. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le capitaine Mella. Il paraît qu'elle a été promue. On s'en fout. Reste là. Je vais chercher tes camarades. Ouais, je vais chercher tes camarades, putain de merde. Hop là. Murray, je suis venu te libérer. Il me faut trois clés. Il y a trois cadenas sur ce truc et c'est l'inspecteur Fox qui a toutes les clés. Mais enfin, mec,
Tu sais bien que les poches, c'est mon dada. C'est mon dada. Elle est coriace, Sly. Si t'arrives à prendre une clé, t'as intérêt à courir vite. Carmelita est aux aguets et elle s'en rendra compte. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas pour ça, hein. Pam 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 pam. Et de une. Quoi? Mes clés. Ah, ça marche pas sur elle, ça. Aïe. Et c'est la noyade. Blablabla. Pam 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 pam. Ah, on repart avec une clé. Donc on doit pas tous retaper à chaque fois. Et ça c'est cool. Je peux pas tuer celui-là en même temps là. La deuxième. Quoi? Mes clés. Oh, elle me suit de loin par contre. Non, c'est pas moi, c'est pas vrai. Vol à la tire. Oh. Genre, elle me voit encore là? Tu peux toujours courir. La justice te rattrapera. La justice me rattrapera. Ouais. La loi, c'est moi, putain de merde. Ah, oh, merci, Sly. No problemo. C'est toujours un plaisir de fricoter avec Carmelita. On va fricoter. Petit cochon. Ces arbres, ouais, ces arbres. Bon, là, on va passer sur Bentley. Il va sauter dans les trains. Nice. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le la petite loupiote là-bas? Je pense que oui. Ah, je crois que c'était une petite bouteille ou je sais pas trop quoi. J'espère que c'est pas un truc piégé. Ah non, c'est une cloche. Oh, les cloches. On va sonner la cloche. Cloche sonne, sonne. Wow. Ils m'attaquent, les aigles.
Ah, j'ai pas le temps. Allez hop. Oh, il a failli me le casser cet enfoiré. Elle a frôlé les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre? On peut acheter plein de trucs là. Destruction silencieuse. Discrètement avec tes ennemis, tu n'as pas assez de pièces. Ça a l'air d'être sympa ça. Cloche en cristal 605. Oh, il me manque. Il me manque 13. Une partie de chasse à l'ours. Voilà. Si l'on en croit ce planning, le cheval ferré numéro 1 devrait passer d'une minute à l'autre. Je le vois. Oh là là, ce qu'il va vite. Je l'ai en visuel. Sur le wagon et rentré par la trappe. Du gâteau. Du gâteau. C'est celui-là ? Ouais, c'est celui-là. Voilà. Nickel. Il va falloir faire ça pour les trois, je pense. Donne mes pièces, toi. Oh, il est sympa celui-là. Qu'est-ce qu'on utilise ? Cours plus vite. Extracteur de santé. Allez hop, ça dégage. Banzai. Voilà. Nettoyage bon et due forme. Ah, ça va, il donne pas mal de vie quand même. J'ai le droit à quelques cartouches quand même. J'ai le droit à quelques cartouches quand même.
Voilà deux. Par contre, le grand. Ah bah si, ça passe. Ça passe bien. Je peux faire... Ah oui, je peux. Par contre, tu veux pas aller de l'autre côté plutôt, lui? Non? À moi de passer de l'autre côté? Alors je monte ici. Entre les deux. Ça c'est fait. Donc ça c'est un poumon. Bim. C'est cool. Ça fait un morceau de blockwork en plus pour nous. Et un super plat en moins pour Jean Bison. Pour Jean Bison. Déjà volé l'un des trois morceaux de Clockwork de Jean Bison. Cela étant, il sera plus difficile de monter à bord des chevaux ferrés 2 et 3. Dans un premier temps, je vais m'occuper du cheval ferré 2 et en éliminer les défenses anti-aériennes grâce à l'hélicommandé. L'hélicommandé. Après, ce sera au tour de Sly de faire des miracles à l'intérieur pour récupérer le poumon de Clockwork. Ouais, ok. Je vois, je vois. Toi, tu devras capturer des oursons afin de libérer un wagonnet. Il nous servira à rattraper le cheval ferré 3. Mais ne t'en fais pas, les oursons n'auront rien. Ah oui. Ce que je ne peux pas promettre pour les gardes. Ah, ils veulent ramener les oursons pour ramener l'oursonne. Ça me va, ça me va. Je crois que c'est d'abord avec Bentley, ouais. Avec l'hélicommandé. J'espère que c'est là. Non, c'est pas là. Non, ce n'était pas là. Attention, Bentley. Le cheval ferré 2 pointe son nez. T'es prêt avec ton hélicommandé? On va y arriver. Ça devrait le faire, ouais. Il va passer par où, lui? Ah. Il doit sauter sur le train avant qu'il n'entre dans le tunnel. Ok. Faut être plus rapide. Voilà. C'est mieux. Pam 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 pam. On va faire joujou. Il faut
Enfin, j'aime pas du tout la maniabilité de l'hélico. Je dois en neutraliser les défenses anti-aériennes. J'ai bien fait d'équiper l'hélicommandé d'un nouveau canon. Alors, touche croix pour bombarder et touche carré pour tirer devant. Ok. Oh, ça va en fait, cette vue là, ça va. J'ai intérêt à vite bombarder ces lance-missiles avant que ça ne dégénère. Ok. Si je les pète pas tous, ça fait quoi? Easy boy. Par contre, j'ai perdu pas mal de vie. Merde, je me fais toucher pour rien. La touche finale. On va d'abord péter les hélicos. J'y suis presque. Ah, ça va. Dans cette version là, l'hélicommandé il est pas mal. Plus de défense anti-aérienne. Le reste dépend maintenant de la réussite de Sly. De la réussite de Sly. Pam 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 pam. Il y a des ours maintenant. Faut faire gaffe. J'étais un petit peu trop optimiste là avec le saut. Slide!
Calme, Bentley. Il existe d'autres moyens de monter sur ce wagon. Voilà. Hop là, on n'en parle plus. On a récupéré quelques piécettes quand même. On se fait démolir. Ouais, on s'est fait défoncer. Technique en loose D. Tu aurais dû voir le nombre de lance-missiles qu'il y avait sur les wagons de ce train. Vraiment, je n'ai pas peur de dire que j'ai fait preuve d'une grande finesse pour en venir à bout. Allez hop, nettoyage en bonne et due forme. Oh. Perdu de vous. Allez, barre-toi là. Oh. Allez hop, pas le temps de niaiser. Le poumon. Alors c'est le gauche ou le droit celui-là? On a réuni les poumons gauche et droit de Clockwerk. Pam 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 pam. On peut rentrer. On peut aller jouer avec Murray. J'espère qu'on va avoir toute notre vie avec Murray. Pam 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 pam.
Ah, ils font moins les marioles là. Ah merde. Ah, le train non plus, il fait pas le mariole. Ouais, ok. Ok, ok. Je réitère la proposition. Qu'est-ce que j'ai avec les... J'avais pas le sou, je sais pas quoi là, non? R2. D'accord. C'est vrai, elle est encore là, elle. Capture d'ourson. Ce wagonnet va nous aider à rattraper le troisième train. L'ennui, c'est qu'il est enfermé dans cet enclos. Lance les oursons par-dessus l'enclos. Facile. Oh, c'est quoi ce bruit là? Ok, petit ourson. Est-ce que ça passe avec le saut, ça? Non? Se faire repérer, si je comprends bien. Ça passe, ça passe, ça passe. Bien joué, Murray. Je t'envoie maintenant les coordonnées de l'autre ourson. On va se faire ça, hein. Oh fuck! Aïe 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 aïe! Bien joué, Murray. Je t'envoie maintenant les coordonnées de l'autre ourson. La grotte, je crois que c'est celle où ce sera le plus dur. Navré de te le dire, mais l'autre ourson se trouve quelque part dans cette grotte. Fais attention, Murray. Ça le fait, ça le fait. Voilà le deuxième. Ça n'a pas traîné. La mer est déjà en route.
étreinte vigoureuse. Un peu comme un documentaire. +66%. Ouh, bientôt à 69. Ok les gars, on y est. Opération Chocho. Entrer dans le cheval ferré 3 et y prendre l'estomac de Clockwork. Mais comme le train va trop vite pour sauter dessus d'ici, nous allons devoir utiliser le wagonnet de Murray. Dès qu'on sera assez près, Sly sautera dans le train et ira jusqu'à la locomotive. Quand il sera à l'intérieur, je le couvrirai avec mon hélicommandé. C'est un braquage de train dans les règles de l'art. Si nous respectons le planning, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Avec Murray. C'est parti. On a un train à prendre. Vas-y, tire. C'est bon. Bien joué, Murray. Ouais. La force du grand Murray est sans limite. Sans limite. Son gang se répartit les organes de Clockwork et lui prend les poumons et l'estomac. Oh, je trouve ça flippant. Moi, je trouve que c'est ce vieux wagonnet lancé à fond les gamelles qui est flippant. C'est vrai. Passons au cambriolage. Voilà, ça me plaît, ça. Qu'est-ce que j'ai avec lui? Rien de spécial. Hein. Je me rappelle plus du chemin. On le fait au pif. Ah, ça passe plutôt bien. Je suis pas du genre à me laisser faire. J'ai pris soin de mettre l'estomac de Clockwork en sécurité. Et je donnerai cher pour trouver la vermine qui a pillé mes chevaux ferrés, sacre bleu. Je deviens fou, rien qu'à l'idée d'embrocher ce vaurien sur un pieu aiguisé. Après, je le ferai griller à feu doux, nom d'une bûche. J'ai cru comprendre qu'il allait dire... Nom d'une pute. Sur ce train, à défaut du mien, vous ferez peut-être battre votre cœur un peu plus vite. Non, merci, Nella. J'en ai vu assez, là. Quel est le problème, Trouillos? Vous avez peur de moi? Vous vous sentez perdu sans vos petits gars? Allez, les petits gars. Nella m'a coincé. Une aide aérienne, peut-être? L'hélicommandé. Elle ne va rien voir venir. Allez, Cooper. Vous et moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, machine de mes deux. Tu vas avoir de mes deux. L'instruction que tu mérites.
Machine de mes deux. Ah bah moi qui voulais jouer à un shoot 'em up. Me voilà refait. Boum. Me life. Esquive, esquive. Voilà. Charlot, ça c'est un... Hein? Oh non! Oh non! Une pensée pour l'engin disparu? Toutou. Ça c'est pas très gentil ça. Faut que je me fasse le premier. Ah, faut que je passe de l'autre côté. Oh, je veux passer en dessous, je m'en souvenais plus de ça. Excellent, excellent. Ah, je dois tout recommencer. Shit. Oh, bah ça veut pas. Mais enfin. Dommage. Voilà aussi, il y a moyen d'esquiver, non? Hop là. Imaginez qu'un estomac puisse un jour devenir un terrible objet du mal. Jean Bison a été très prudent. Il a bien fixé l'estomac.
Va falloir casser le bloc moteur pour le libérer. Ça, ce n'est pas un problème. Une petite bombe bien placée dans la cheminée du train devrait suffire. Mais surtout, protège-toi bien. Une petite bombe dans la cheminée. Ah. La voilà. La revoilà. Oh, j'ai trouvé un safe spot. Oh, j'ai pris cher là par contre. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, tu veux jouer à ça? Sympa. Sympa la P2. Ah, on passe direct à la P2. En fait, c'est pas vraiment une P2, quoi. Easy boy. Voilà. Personne ne le peut. Tu vas te cracher, oui. Ni Interpol, ni personne. Indigestion. Un trop franc d'argent. Et boum. Oh. C'était pas une petite bombe, mais il a carrément jeté le... l'hélicommandé. J'ai un estomac enragé dans les mains, mais à part ça, ça va super. Ça va super. Trouble digestif, tu m'étonnes. Le gang de Cooper avait encore une fois frappé. Nous avions cambriolé tous les chevaux ferrés de Jean Bison et repartions avec 3, je dis bien 3 morceaux de Clockwork. Et en plus, nous avions mis fin aux livraisons des bus destinées à l'Amérique du Nord. Il faut dire que nous n'étions pas peu fiers de nous. Ce n'était pas le cas de Carmelita qui dut s'enfuir devant ses collègues. C'était drôle au début, mais elle commence vraiment à me faire de la peine. C'est vrai, imaginez qu'il la remplace par quelqu'un d'autre. Oh, quel dommage. Que ce soit elle qui me pourchasse. Sans elle, ce serait pas aussi marrant. Ce serait moins drôle, hein. Tôt ou tard... Je me dis qu'il va bien falloir l'aider à blanchir son nom, sans pour autant devoir me sacrifier. Pam, 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 pam. Oh, l'épisode 7. Est-ce qu'on a le temps de le commencer? Il me reste un peu plus d'une heure. 1h20. Ouais, je pense que c'est ce qui me reste. Je vais jouer la sécurité, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je sais plus il y a combien d'épisodes, mais je crois qu'il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Quittez. Sauvegarde en cours. Des bisous, passez une bonne soirée, un bon week-end. C'est ma dernière de nuit ce soir. Après je pars en vacances. Donc voilà, vous allez pas me voir pendant une semaine. Je vous fais des bisous. Profitez bien. À la prochaine. Ciao, ciao.
Hé, hey, Lasto, je t'ai vu. Ça marche. Bon courage à toi. Des bisous.